aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans quelques instants voler de douceur et gourmandise. Donc, j'ai commencé par faire un petit crumble parce que j'en avais très envie. Il me restait deux pommes. Et comme deux pommes n'étaient pas suffisantes, j'ai décidé de rajouter une banane. On n'a pas du tout senti le goût de la banane, en fait, juste le côté caramélisé. Et puis j'ai rajouté de la marmelade parce que je trouvais que c'était pas encore suffisant. Mais par contre, la marmelade d'orange, on n'a pas du tout senti. On n'a pas du tout senti. Donc je me suis inspirée de la recette. Il me semble que c'est celle de Marie Laforêt pour faire ce crumble en rajoutant bien sûr banane et orange qui n'étaient pas là au départ. Donc ce crumble est fait à partir de farine, de margarine, de poudre d'amande et de sucre. J'ai rajouté pas mal d'épices d'automne, de cannelle, un petit peu de gingembre, vraiment des épices qu'on trouve souvent dans le pain d'épices ou même dans les spéculoos. Ce soir-là, j'avais encore envie de douceur parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Je nous ai fait un matcha latte. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Ici, je le fais à base de lait de soja que je viens mousser avec mon batteur à lait. Et vraiment, c'est une tuerie, je rajoute un peu de sirop d'agave, de thé matcha, et enfin, vraiment, c'est vraiment très 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 bon. Et puis, quelques moments avec le live de Ludo, qui était juste génial. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc c'est le troisième vlogmas de cette année. Je vous prends samedi, dimanche, lundi, mardi pour ce vlogmas. Aujourd'hui nous sommes dimanche, début d'après-midi. Je vous ai pas pris face cam hier, mais je vous ai mis quelques images de ma journée d'hier. Je vais un petit peu vous en parler d'ailleurs parce que j'ai des petites choses à vous dire. Je n'ai pas encore défini le thème de ce vlog puisque la fois passée je vous avais parlé un petit peu de surconsommation. Ici j'ai pas encore décidé, voilà, peut-être que ça viendra au cours du vlog, bah là dans les deux jours qui arrivent. D'abord avant de commencer à vous parler, je voulais vous remercier. Vraiment, je reçois beaucoup d'amour là tout le temps, mais particulièrement aujourd'hui par Instagram et aussi sur le dernier vlog, vous êtes énormément à avoir répondu. Votre avis par rapport à tout ce que j'ai raconté pendant ce vlog, vous êtes beaucoup à avoir répondu et j'ai reçu énormément d'amour par Instagram aujourd'hui, vraiment, parce que j'étais un petit peu inquiète parce qu'à chaque fois en fait que je publie une vidéo, je perds des abonnés. C'est un truc, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, mais c'est un truc en fait qui est assez récurrent quand on publie des vidéos parce que, alors il y a soit les gens n'aiment pas ma tête, et enfin voilà, ce que je peux comprendre, hein, mais bon c'est vrai que c'est un petit peu stressant de se dire « Ok, je publie une vidéo, il y a des gens qui partent, pourquoi hein ?» Voilà, même si je peux comprendre qu'on n'aime pas, on se remet en question, c'est pas très cool. Mais je sais qu'il y a aussi une histoire d'algorithme et donc à chaque fois qu'on publie une vidéo, je crois qu'il y a un truc qui se met à jour et donc les abonnés inactifs s'en vont ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe. Mais bon, voilà, c'est un petit peu déprimant de voir le chiffre descendre. Mais je vous avoue que je vais très bien, hein, je le vis très bien parce que vraiment... J'ai énormément, énormément de soutien. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous, je lui ai dit en fait vraiment... Si j'avais gagné des abonnés avec cette dernière vidéo, mais que personne ne venait me parler en commentaire, je serais vraiment déprimée. Et ici, mais vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. On partage, on discute. Donc je vais arrêter de me plaindre hein, de ça, parce que c'est pas juste pour vous qui êtes là et qui me soutenez à fond. Voilà, des petites choses dont je voulais vous parler. En ce moment, c'est un petit peu la folie, hein. C'est pas vraiment un dimanche cocooning, dimanche repos, parce que vraiment, c'est la course. Voilà, donc je fais vos dernières commandes. Encore merci pour toutes ces commandes, vraiment, les commandes de Noël. Je pense sincèrement, en croisant les doigts, qu'elles arriveront quasi toutes avant Noël, sauf les quelques personnes qui commandaient plus tard que la date limite. Mais sinon, la plupart arriveront avant Noël, sauf s'il y a des soucis avec la poste. Parce qu'en ce moment, la poste, c'est une catastrophe. Mais ça, j'y peux pas grand-chose, quoi. Donc, il y en a peut-être qui arriveront le 26 ou... Voilà, mais je pense que la plupart arriveront avant Noël. Donc, je suis trop contente. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, ce que j'ai fait, pour la petite anecdote, je me suis un peu amusée. C'est que, il y a énormément de commandes que je devais envoyer le même jour. Et c'était impossible d'envoyer tout le même jour. Du coup, j'ai fait sur deux jours... Et le premier jour, j'ai envoyé les commandes qui étaient le plus loin. Et le deuxième jour, celle qui était le plus proche. Donc, c'est-à-dire que je me suis amusée à taper votre adresse. Alors, pas l'adresse précise, mais la ville dans laquelle vous habitiez.
pour voir les kilomètres par rapport à Bruxelles. Et donc, toutes les commandes de plus de 500 km de distance, je les ai envoyées le jour 1. Et le jour 2, j'ai envoyé toutes les commandes de moins de 500 km. Voilà, vous voyez comment j'ai fait. Donc, je vous ai un peu stalké, hein. Voilà, comme ça, vous savez à quoi je m'amuse, moi, de mon côté. Là, je suis en train de boire dans cette tasse Nature et Découverte. J'avais acheté ça il y a plusieurs années quand j'y travaillais. Quand je travaillais là, c'était vraiment les tentations. Je crois que j'ai acheté toutes les tasses qui sont sorties les 6 mois où j'ai travaillé dans ce magasin. Et notamment celle-là que je trouve très chouette. Et à l'intérieur, on a un petit... Donc, c'est un raton laveur, un truc comme ça. Et à l'intérieur, il est marqué Cultivate Curiosity. Voilà, je vous le montre pas, sinon je vais tout renverser parce que je ne suis pas très douée. Voilà, et dernière chose que je voulais vous dire avant de commencer vraiment le vif du sujet. C'est hier soir... j'ai beaucoup travaillé, voilà, samedi, mais je me suis amusée à écouter le live de Ludo. Donc si vous ne connaissez pas Ludo, Ludo c'est de la chaîne Prends un livre et détends-toi. C'est un booktuber qui parle quand même beaucoup de livres, plutôt de romance. Il lit quand même quelques thrillers. C'est quelqu'un, bah du coup, un compatriote belge que je regarde de temps en temps. Ça fait longtemps que j'avais pu regarder une de ses vidéos. Et en fait, on s'est déjà rencontrés il y a quelques années quand Steph de Pikiti avait fait une rencontre à Bruxelles. C'était trop trop bien et du coup, bah voilà, j'ai rencontré Ludo, c'était super chouette. Et du coup, j'ai regardé son live, mais qui était génial. Sur le live de Ludo, il y avait des gens, mais super drôles, super passionnants. J'ai passé une soirée exceptionnelle jusqu'à presque 1h du matin. En écrivant vos adresses postales, je me suis amusée à regarder ce live et j'ai eu des crises de fou rire. Mon chéri, il s'est demandé ce que je faisais, tellement je me suis marrée. Il y avait Pauline de la chaîne Booking, d'ailleurs, qui est une chaîne aussi que j'adore. Il y avait Victoire de la chaîne Rouge Pingouin. Je connaissais pas bien ta chaîne, mais je connaissais un petit peu ton compte Instagram. Et en fait, oui, je vais regarder, stalker, binge-watcher ta chaîne parce que c'est vraiment quelqu'un de passionnant. Je sais pas si tu regarderas hein, cette vidéo. Voilà, qui y avait d'autres? Il y avait Nina, de Nina Kuil. Bah, quand j'étais là, hein, vraiment, là je parle du moment où j'ai... À partir du moment où j'ai regardé, il y avait d'autres gens avant, je sais pas regarder. Mais j'ai regardé la partie de la soirée, il y avait Nina, il y avait qui d'autre? Il y avait Manon, de Vibrations Littéraires. Il y avait Sève, notre éternelle Sève, qui était là pour parler de thriller notamment, mais surtout pour rigoler. Il y avait Margot, de Margot Liseuse. Il y avait un ami de Ludo qui était super drôle. Bref, ce live, s'il est encore en ligne, regardez-le parce qu'il est vraiment trop chouette. Et à partir des dernières heures, là, moi, j'ai eu trop de fou rire. C'était trop drôle. Voilà. Du coup, merci à Ludo d'avoir organisé ça. Il a organisé ça pour les 5 ans de sa chaîne. C'est difficile à dire. Pourtant, je fais de la déclamation. Les 5 ans de sa chaîne. Voilà. Et donc, bon anniversaire, Ludo, pour tes 5 ans de ta chaîne. Voilà, c'était vraiment... T'as bien organisé ça et franchement, chapeau. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote qui explique peut-être une partie de mes grosses cernes. Ça fait 10 minutes que je parle, mais je vais enfin vous parler de un unboxing parce que j'ai reçu un colis hier, j'ai été le chercher hier. Et je ne l'ai toujours pas ouvert parce que je vous attendais, vous vous rendez quand même compte. Ça fait quelques années que je suis assez régulièrement abonnée à des box, que ce soit des box livresques ou... Enfin, ça dépend des moments, quoi. J'ai été longtemps abonnée à la All Crate pendant presque plusieurs mois, quand même. Alors, c'est une box que j'ai arrêtée, même si je la trouve géniale, pour la première raison, parce qu'elle coûte trop cher. Et j'ai pas vraiment les moyens de continuer à être abonnée à cette box. De plus, les livres VO, ils s'accumulent et je ne les lis pas. Donc voilà, j'ai arrêté de m'abonner à cette box. J'ai eu un moment l'abonnement à la Nuobox que je trouvais géniale. C'est une box éthique bio, je ne sais pas si elle existe encore, mais vraiment, j'adorais cette box. On avait des très très bons produits, souvent made in France, made in Belgium. Bah, c'est une box française, donc pour le coup, c'est plutôt made in France. Vraiment très très bonne box, mais comme j'avais arrêté de surconsommer des produits, j'avais arrêté aussi la box. Je songe peut-être à la reprendre parce que là, je suis à court de toutes sortes de choses. Donc voilà, ça c'est, j'hésite un petit peu. J'ai eu un abonnement de 2 mois à Emma et Chloé, mais que je n'ai pas aimé. Voilà, les bijoux que j'ai reçus, c'était une box bijoux, j'ai pas tellement aimé. Et j'ai été abonnée pendant 1 an à la box Envoûtée, qui est une box de thé française. La plupart des thés sont bio de manière générale et j'ai été abonnée très longtemps à cette box. J'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'avais du thé pour... 10 ans pour tout un village, donc j'ai arrêté. Mais ce mois-ci, comme j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'avoir des petites surprises au mois de décembre, je me suis abonnée pour 2 mois à la box Envoûtée, et donc j'en ai reçu une hier. Enfin, je me suis abonnée quand même, hein.
Voilà, donc je vais l'ouvrir. Je pense pas continuer un an comme j'avais fait parce que honnêtement, bah voilà, je vous ai dit, j'ai beaucoup de thé dans la vidéo où je vous parlais sur consommation. Bah voilà, j'ai pas envie de non plus accumuler des choses, mais j'avais envie là. Et je sais que c'est à contresens avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je vous ouvre ça tout de suite, hein. Je m'ouvre ça tout de suite surtout. Alors, logiquement, c'est la box de novembre et je vais recevoir bientôt la box de décembre. Alors, elle est très très belle. En plus, c'est super pratique parce que moi, j'utilise ça pour vraiment bah, pour ranger des choses, quoi. Donc, c'est super pratique. C'est chouette. Moi, je l'utilise vraiment pour le rangement. Enfin, j'en ai 12 comme ça. Donc, c'est vraiment super pratique. Et donc, on a Au coin du feu. Donc, c'est très cocooning. C'est très automne, hein, vraiment, puisque j'ai commencé par la box de novembre. J'ai commandé fin novembre. Voilà. Oh, première chose, on a du... ah mince, c'est du miel. Je suis végane, donc. Alors le miel, pour le coup, j'en ai chez moi. Le miel, j'ai ce pot de miel à la maison qui diminue lentement, certes, mais qui est là. Un pot que j'utilise en fait pour quand je suis malade. Voilà, j'invite d'ailleurs tous les véganes à me dire leurs alternatives quand vous êtes malade, ce que vous utilisez. Moi, le miel, il m'aide beaucoup parce que je suis souvent malade. Au niveau des d'ORL et tout ça, si vous avez quelque chose bah, d'équivalent, on va dire, au miel, bah, qui respecte les animaux et voilà, hein, qui soit végane, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, je cherche encore. Hein. Donc, si vous avez quelque chose qui peut remplacer le miel, je parle vraiment au niveau des propriétés, je parle pas au niveau du goût parce que moi le sirop d'agave j'en prends à outrance. Mais donc voilà, si vous avez quelque chose à conseiller, si vous êtes végane, que vous passez par là, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour remplacer le miel. Voilà, je vais le mettre de côté. Bah, du coup, par contre, on a une cuillère à miel, un truc à miel là, c'est très très bien parce que je consomme énormément de sirop d'agave et ça c'est bien pratique parce que je mets du sirop d'agave dans mon yaourt végétal. Alors, on va au thé. Alors, le premier, c'est un tea puccino. Alors, c'est un thé vert de Chine, sencha, date, écorce de cacao, fèves de cacao concassées, arômes naturels et fleurs de bleuet. C'est de la marque Malindo, c'est une marque bah, bio. Alors, on va sentir ça, c'est le plus important. On sent très fort. Le cacao, on sent ça très fort. Tea puccino, ça a l'air génial, c'est très original. Voilà, douceur d'automne bio. Infusion de menthe poivrée, réglisse, pissenlit, queue de cerise, bardane, reine des plaies, serpolet. Je ne connais pas le serpolet, je trouve ça très rigolo comme mot. Achillée millefeuille. Bah, c'est quelque chose vraiment de très automnal. Voilà, c'est aussi bio. Envoûté, c'est une box bio. Je pense pas avoir vu de thé non bio chez Envoûté. Il n'y a pas les Kusmiti, ce genre de thé. Ça a l'air très doux, très agréable. Très chouette. Moi, ce que j'aime bien avec les box thé, c'est que ça nous permet de découvrir des marques et donc de pouvoir tester les thés parce qu'il n'y a pas une énorme quantité. On peut en faire peut-être, allez, 6 ou 7 des tasses de thé. Et ça permet de goûter et après de craquer si on a des coups de cœur. C'est ça que j'aime beaucoup. 16h24 aux pommes, rooibos super grade, raisin, pomme, écorce d'orange, arôme, bâton de cannelle, coin, morceau de citron, bouton de rose jaune, bourbon, vanille, mon dieu. Oh là là, ça a l'air bon ça. Il est pas marqué bio, mais j'imagine qu'il est bio hein, celui-là. Ah, on sent très fort un côté orange, mais un petit peu sucré. Je crois que c'est celui-là que je vais prendre aujourd'hui. Il y a le... comme des petits pains. Et on a un petit écureuil. C'est trop mignon. Thé noir du Sri Lanka, d'Inde et Chine. Date, encore des dates. Écorce de cacao, mais dites, ça ressemble au premier ça. On a également des dates et écorce de cacao. C'est un peu bizarre d'avoir quand même le deux. Mais par contre, il y a du cumin. Ah, ça c'est un peu surprenant. Donc on a vraiment deux thés qui se ressemblent beaucoup, sauf qu'ici il est noir. Je suis un peu surprise de retrouver quand même un peu les mêmes compos. Je vais sentir si on sent le cumin, parce que le cumin, c'est toute ma vie. Oui, c'est... on sent très fort l'écorce et les dattes. Pour le coup, ça ressemble très fort au tea puccino. Et alors, le dernier, c'est le thé que propose Envoûté. Donc, dans chaque box, il y a un petit cube dans lequel il y a le thé Envoûté. Donc, voilà, on a au coin du feu. Donc, c'est tous des noms 100% cocooning.
Thé vert de Chine Sencha, pomme, bâton de cannelle. On a déjà un truc comme ça, pomme, bâton de cannelle, oui. Oui, sauf qu'ici c'est un thé vert. Ok. Arôme naturel, pétales de rose, vanille, bourbon. Voilà. Donc on a vraiment un mélange 100% automne. Et je vais sentir ce que ça sent parce que moi le thé vert c'est ma passion. Donc c'est dans, malheureusement c'est dans un petit sachet en plastique, ça c'est vraiment dommage. Et quand j'étais abonnée c'était déjà dans du plastique, je me demande pourquoi ils n'ont pas changé ça. Ah oui, c'est très doux, c'est très agréable, j'aime bien. Voilà, bon ça ne vous parle pas énormément, hein, mais on a une box 100% cocooning. Le miel, je vais le donner à mon chéri ou quand j'aurai plus le miel de maladie. Je l'utiliserai, je ne sais pas, mais je compte sur vous pour me donner des alternatives parce que j'y ai pas trop réfléchi dernièrement parce qu'en fait j'en ai pas eu besoin depuis un moment de miel. C'est vrai que j'y avais déjà pensé. Et donc j'en profite de cette vidéo pour vous demander, pour un peu vous exploiter. Bon, écoutez, je suis assez contente. On a vraiment des choses un peu similaires hein, au niveau des odeurs, des goûts, mais je vais tester. Et donc c'est vraiment une très jolie box. Je ne sais pas encore à quoi l'utiliser parce que j'en ai déjà quand même pas mal. Mais c'est très utile, c'est vrai, dans le rangement pour la couture et tout ça. Celle-là, je vais un peu l'exposer parce que je la trouve très jolie. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour cette petite box. Et là, je sens l'odeur du potimarron qui cuit puisque je suis en train de faire des roulés à la cannelle au potimarron, les amis. C'est une recette de Mélodie, je pense qu'elle s'appelle, de la chaîne et du Instagram Meloves. Je suis ultra fan de ce qu'elle fait, c'est une fille hyper pétillante. Et elle nous fait souvent des recettes de roulés à la cannelle un peu différentes. Et là, elle en a fait avec du pumpkin ou du potimarron, on peut faire un peu avec ce qu'on veut. Et ça a l'air très bon. Donc là, je vais la faire avant qu'il fasse noir puisque j'aimerais la mettre sur ma photo Instagram. Bien sûr, je ne la fais pas pour Instagram, mais j'en profite, j'aime bien le dimanche vous publier une photo un peu cosy cocooning avec de la bouffe. Et du coup, moi, j'en profite un max. Voilà. Je vais vous laisser là, je ne vous parle pas lecture puisqu'on est d'accord que j'ai lu 20 pages depuis la dernière fois. Mais je compte sur demain pour parler de ma lecture en cours. Et vous allez vous dire que dans cette maison, on ne fait que manger. Eh bien, vous avez raison, parce que le lendemain, j'ai fait des roulés à la cannelle et au potimarron de Meloves, je vous en parle un peu plus tard, qui sont vraiment très, très simples à faire. Vraiment, voilà, les potimarrons de saison, c'est vraiment l'occasion d'essayer toutes sortes de recettes bien gourmandes. C'est seulement la deuxième fois que je fais des roulés à la cannelle. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont une allure un peu spéciale. Mais je vous assure que c'est une vraie tuerie. Alors, Meloves, elle propose un glaçage à base de yaourt de soja. Je n'en avais plus, du coup, j'en ai inventé un que vous voyez un peu plus tard dans la vidéo. C'est à base de pâte de cajou, sirop d'agave et lait végétal. C'est un petit peu au niveau des proportions, c'est vraiment au feeling. Et je trouve que ça marche très bien. Bah, déjà, c'est un peu sucré, donc avec le sirop d'agave, ça sucre encore plus la recette. Mais surtout, au bout de quelques jours, en fait, je les ai gardés 2-3 jours. Et bien, je trouve que ça se fige assez bien hein, et c'est délicieux. Hello, je vous reprends, on est dimanche soir, vous avez une vue magnifique sur notre linge, je ne sais pas trop où aller d'autre. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de compromettant. Je vous reprends, il est minuit et demi, ouais c'est ça, minuit et demi. J'ai travaillé toute la journée dimanche pour essayer de clôturer toutes les commandes belges notamment. Là je viens de faire la plus grande partie, je viens de tout fermer, donc je suis contente. Je vous reprends juste pour vous dire que je suis contente d'avoir clôturé ça, même si il me manque encore des timbres pour les uns et les autres. Donc il y aura des commandes qui seront envoyées un jour plus tard ou un truc comme ça.
Quoi d'autre sinon? Ben, en fait, j'ai très envie de reprendre, enfin pas maintenant forcément, je crois que vous avez compris que je vais tout de suite aller dormir, mais j'ai très envie demain, je vais partir donner cours, et comme c'est assez loin, j'ai toujours des heures de train, je vous en ai déjà parlé, j'aimerais beaucoup continuer à l'Alabama, mais en fait, je dis que j'aimerais beaucoup parce que j'ai envie de le terminer, mais en fait j'en ai marre, voilà, je crois que... J'adore ce livre, hein, il est vraiment chouette. À chaque fois que je retourne dedans, je prends vraiment du plaisir. Mais il n'y a rien à faire. Quand je reste trop longtemps dans un livre, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de changement. Je me retrouve dans ce dilemme. Quand vous êtes trop longtemps dans un livre, bah de vous dire en fait d'en avoir marre, quoi, d'avoir envie de lire autre chose juste pour changer d'univers. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire avec celui-là. D'être tout le temps dans la même lecture, puis 10 jours, plus de 10 jours, j'en ai marre. Moi, je ne sais pas rester si longtemps dans un livre, même s'il est chouette, vous voyez. Donc, j'hésite à lire autre chose, et puis revenir, mais en même temps, c'est le risque de ne plus revenir dans le livre. Voilà, je ne sais pas trop. Je vous avoue, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que demain, je pars à 11h, et je reviens à 11h. Je sais pas. Parce que du coup, je suis toute la journée avec le livre que j'ai choisi, vous voyez ce que je veux dire. Hello hello, je vous retrouve, on est mardi après-midi et je viens doucement clôturer ce vlog avec pas mal de choses à vous dire. Déjà première chose, j'ai partagé cette tasse ce matin sur Instagram pour vous souhaiter une bonne journée, et il y en a plusieurs qui m'ont demandé d'où elle venait. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vient de chez Villeroy & Bosch, qui est une maison de vaisselle. Je ne sais pas si elle est française ou belge, mais en tout cas cette tasse est en... Alors je ne sais plus si c'est en faïence ou porcelaine, je devrais savoir la différence. Moi je dirais comme ça faïence, mais je n'en suis pas sûre. C'est une tasse assez onéreuse, je vous l'avoue. J'ai profité moi d'une réduction qui faisait il y a quelques semaines. Je vous avoue que c'est très cher. Mes autres tasses ne vont pas à ce prix-là, rassurez-vous. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, j'en suis assez fan. Et je l'aime beaucoup, elle est très 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 agréable. Et là, je bois le thé sortilège de chez L'Or Bleu, qui est un thé vert de Noël très très bon. J'ai eu un commentaire tout à l'heure, une personne qui m'a demandé si je pouvais présenter toutes mes tasses. Alors... je pense que ça va être un peu compliqué, hein. J'en ai beaucoup beaucoup moi des tasses, et je sais que Caro de Caro From Land et Margot de Margot Liseuse ont fait un tasse tour et j'ai adoré, c'était trop bien. Mais par contre, si je devais vous faire un tour de mes tasses, je vous avoue que c'est un peu affolant, j'en ai vraiment beaucoup. Par contre, je pourrais vous montrer toutes mes tasses de Noël, voilà, si ça vous intéresse. Vous pouvez le dire en commentaire, mais je suis pas certaine que ça vous intéresse. Je pourrais vous présenter, et je vous rassure, elles sont pas toutes de cet acabit. Celle-là, c'est ma plus précieuse, sinon c'est des tasses 3-4 euros, maximum 7-8 euros. Alors, premièrement, la première chose dont je voulais vous parler, c'est du miel. Puisque dernièrement, je vous ai parlé du fait que j'avais reçu un petit pot de miel dans ma box envoûtée. J'en ai profité pour partager sur Instagram le fait que moi, en effet, je consomme encore du miel, même si je suis végane. Alors, j'en consomme, on va dire, j'ai un pot de miel qui tient, je pense, un peu plus d'une année, puisque je l'utilise à chaque fois que je suis malade. Donc je parle de maladie de type pharyngite, rhinopharyngite, quelque chose que j'ai quand même assez régulièrement étant prof. Et un peu moins maintenant, mais c'est vrai que ça fait quelques mois, j'en ai pas eu tellement. Bah oui, il y a eu un confinement, Isabelle, c'est normal. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu très très souvent des pharyngites, et du coup j'utilise du miel pour ma gorge, pour apaiser, dans un grog ou dans une cuillère vraiment avec une huile essentielle par exemple. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise encore, et du coup je vous avais demandé sur Instagram si vous connaissez des alternatives, je vous avais même demandé là dans la vidéo, et du coup je voulais profiter des réponses que vous m'avez données pour les partager par ici, parce que certainement que ça vous intéresse, et donc je vais vous partager les réponses que j'ai eues, et peut-être que vous en avez d'autres à donner, donc c'est l'occasion d'en parler. Du coup j'ai eu pas mal de réponses. Plusieurs personnes m'ont parlé de l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors ça n'a pas exactement les mêmes propriétés que le miel, mais c'est assez efficace en cas de maladie. Je pense pour le système immunitaire, c'est assez féroce. Voilà, c'est assez efficace. Plusieurs personnes m'ont parlé également du gingembre qu'ils utilisaient. Et je vous avoue que j'ai jamais pensé... Enfin, j'utilise le gingembre à outrance.
Voilà, j'utilise tout le temps le gingembre dans la cuisine, mais je pense jamais à l'utiliser en cas de maladie. C'est une super idée, en fait. Je devrais en mettre dans mes grogs. Ouf, ouais, j'ai peut-être pas envie d'être malade pour l'essayer, mais j'aimerais bien essayer ça une fois, c'est vrai. Je pense pas que ça a tout à fait les mêmes propriétés que le miel, mais je pense que ça peut être pas mal utile. Donc merci ceux qui ont proposé le gingembre, parce que j'adore ça en plus. J'ai eu une très bonne idée là qu'on m'a donnée, c'est de mettre dans du sirop d'agave, dans une petite cuillère de sirop d'agave, de mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle, notamment de l'eucalyptus. Je ne sais plus si c'est l'eucalyptus radié ou l'autre. Voilà, il faut se renseigner pour le coup pour les huiles essentielles, vraiment il faut se renseigner. Mais j'avais pas du tout pensé au fait que bah du coup c'est le sirop d'agave, il y a le côté un peu miel. Ça peut être pas mal. Alors moi j'utilise quand même des huiles essentielles hein, dans la vie de tous les jours, mais j'en utilise pas énormément. J'utilise Ravintsara en cas de maladie parce que c'est assez efficace. J'utilise de l'eucalyptus en inhalation. Moi c'est quelque chose que je fais de temps en temps, bah, quand je suis malade forcément, quand j'ai un énorme rhume, je me fais une inhalation, un grand bol d'eau extrêmement bouillante avec quelques huiles. D'essentiel, de goût d'huile, d'essentiel d'eucalyptus, il me semble que c'est le radier que j'ai. J'utilise la myrte verte, alors je vous avoue, je sais plus, un truc pour expectorer là. Je pense qu'il y a encore le romarin que j'utilise de temps en temps. Et le dernier, c'est la menthe poivrée. Et la menthe poivrée, j'utilise énormément parce que ben, j'ai souvent des migraines. Et donc ça m'aide beaucoup. Mais par contre, quand j'ai vraiment la grosse migraine vraiment horrible, ben non, ça suffit pas. Il faut un médicament et le médicament suffit pas. Donc voilà, mais quand ça commence un petit peu, que ça travaille là, ça aide pas mal. Et surtout, la menthe poivrée, ça aide. J'ai vraiment divagué, hein. On est à la menthe poivrée alors qu'on parlait du miel. Moi, j'utilise aussi parce que j'ai le syndrome du côlon irritable. Ceux qui l'ont peuvent mettre un pouce vers le haut. On adore. Et donc, j'ai souvent des maux de ventre, forcément. Et donc, moi, j'utilise beaucoup d'huile essentielle de menthe poivrée. J'en mets une ou deux gouttes sur un sucre. Et en fait, ça fait un bien fou. Je ne sais pas si vraiment ça a des propriétés pour soigner, mais en tout cas, ça fait un bien fou. Et aussi un petit peu d'alcool de menthe. Quand j'ai pas l'huile essentielle, j'utilise aussi l'alcool de menthe. Je ne bois pas 10 litres d'alcool de menthe, hein, je mets quelques gouttes. Voilà. Pour les huiles essentielles, j'en utilise pas tellement. Bah, pour d'autres bobos et tout ça, mais là, on parlait vraiment de maladie. Mais du coup, l'idée du sirop d'agave, là, c'est une très très bonne idée. J'avais pas pensé à ça alors que c'est une très bonne idée. Voilà. Bah sinon, il y a les classiques, le thym, voilà, ce genre de choses, l'infusion de thym et tout ça, les infusions bien sûr. Mais il y a quand même ce côté cicatrisant, apaisant aussi de la gorge, du miel, qui est difficile, je trouve, à trouver. Et je pense que je vais tenter une de ces choses-là. Petit disclaimer, si vous utilisez des huiles essentielles, la dernière fois que j'en ai parlé d'huiles essentielles, ça fait peut-être quelques mois, mais j'avais oublié de vous faire ce disclaimer. Renseignez-vous, hein, toujours, surtout si vous êtes enceinte, si vous êtes allaitante, n'utilisez pas d'huiles essentielles. Si vous avez des enfants de moins de 3 ans, si vous avez des chats, des chiens, des animaux de compagnie, faites attention comment vous les utilisez. Donc si les chats, voilà, évitez que les chats lèchent certaines huiles essentielles. Et aussi le diffuseur d'huiles essentielles ne peut pas diffuser certaines huiles essentielles que les chats ne supportent pas. Et les enfants, je crois moins de 6 ans, moins de 3 ans, je ne sais plus. Vu que ça me convainc pas trop trop, mais voilà, je voulais quand même donc renseignez-vous très très fort sur les huiles essentielles avant d'en utiliser. N'écoutez pas naïvement mes bêtises. Voilà. Donc voilà, je partage un petit peu vos réponses. Et maintenant, on va parler de lecture puisque j'ai terminé un livre et on va remercier la moto qui a embouti mon bus hier. Tout le monde va bien. Personne n'a été blessé, vraiment tout le monde va super bien, sauf qu'il a fallu 3 quarts d'heure pour faire le constat. Et du coup, bah, j'ai pu terminer Alabama 1963, une lecture que j'ai beaucoup aimée et j'ai vraiment pas regretté parce que de l'avoir terminée, de l'avoir prise avec. Parce qu'à un moment, je vous avoue, je voulais la laisser de côté. J'avais pensé, parce que quand ça fait trop longtemps qu'on lit un livre, franchement, je me suis accrochée. Et en fait, il n'y avait pas besoin de s'accrocher beaucoup. Franchement, c'est un livre qui se dévore, qui se lit très vite. Il suffit juste d'avoir le temps, Isabelle. On va parler du personnage d'Adela, qui est une jeune femme de ménage qui vit avec son beau-frère et ses enfants et qui travaille pour toutes sortes de familles. Voilà, assez différentes hein, les unes des autres. Et on va suivre le personnage de Bud, qui est un détective privé. Il a fait un truc pas cool quand il était flic.
Il a été viré, il est devenu détective privé et il est complètement pété du matin au soir. Il est saoul, on le retrouve par terre. Il a une vie un peu pitoyable hein, puisque soit il dort, soit il vomit, soit il enquête mais les yeux fermés dans son fauteuil. Donc on ne sait pas trop s'il dort ou s'il enquête. Enfin vous voyez, donc voilà, sa vie est un peu triste. Et ces deux personnages vont se rencontrer puisque il va y avoir des disparitions de jeunes filles noires qui vont être retrouvées et la police... On a un peu rien à péter parce qu'on est dans les années 60, en Alabama, ségrégation, tout ça. Même si on est au début de la déségrégation, bah, on ressent quand même, disons, les Wasserette colored people et les Wasserette white people. Voilà, Wasserette, je crois que c'est un belgicisme. Retrouver ces jeunes filles mortes, hein, puisque voilà, elles ont été assassinées, certaines ont même été violées. Il me semble, c'est pas très précisé, je vous avoue, mais je pense que... Ouais, la première scène laisse sous-entendre que la première a été violée. Première scène, je vous en avais parlé, qui est assez remarquable. On est donc sur une enquête sur fond de ségrégation, sur fond de Ku Klux Klan. Dès qu'on a une personne noire et une personne blanche qui marchent ensemble, c'est le scandale. Quand on a Adela qui promène le chien de son patron, elle ne peut pas fouler l'herbe de la pelouse où il est marqué « White people only », mais son chien peut chier dedans. C'est assez horrible. Mais voilà, donc on a beaucoup de petites choses comme ça, d'anecdotes... voilà, certaines très piquantes. On a une petite dose d'humour quand même qui vient alléger le récit puisqu'on est quand même sur une enquête assez glauque. Les deux personnages de Bud et Adela vont petit à petit collaborer. Je vous laisse découvrir comment. On se demande comment parce que honnêtement, on se demande comment on peut arriver à cette image parce que honnêtement, Bud est extrêmement raciste et c'est un personnage qui a une très bonne évolution, enfin très j'ai adoré l'évolution de ce personnage. C'est un livre que j'ai adoré parce que je le trouve très dynamique, très piquant, on utilise pas mal l'humour. Maintenant, ce n'est pas le livre dans lequel j'ai trouvé le plus de subtilité. Ce sont des personnages assez bruts comme ça, les deux personnages principaux sont des personnages qu'on va bien développer, mais les personnages secondaires sont pas très développés, on en parle, mais c'est vaguement des images, on sait très peu se les représenter dans notre tête. Autant Bud et Adela, vraiment, on sait vraiment bien les voir, c'est des personnages très forts. Autant tous les personnages secondaires sont plus anecdotiques, même si ils ont parfois une importance assez folle. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très rapide comme ça dans cette lecture. Le style est très simple, sans fioritures, vraiment très très simple. Il y a certains moments je l'ai trouvé même trop simple. Et on sent en fait que les deux auteurs sont des personnes qui travaillent dans les films et les séries, puisqu'ils sont traducteurs de dialogues de séries et de films. Et en fait, on le sent, parce qu'il y a un côté très scénaristique, il y a un côté très cinéma, extrêmement visuel, des scènes comme ça qu'on voit vraiment dans un film. Même si les personnages ne sont pas, comme je vous l'ai dit, approfondis au niveau de leur tête, au niveau même de leur caractère et tout ça, ce sont pas, à part les héros, il y a quand même ce côté cinéma. Les scènes sont décrites vraiment comme, presque comme un scénario en fait, de film. Voilà. Ça n'en reste pas moins que certaines scènes sont très touchantes, très avec un côté un peu naïf comme ça des personnages, très touchantes. J'ai plusieurs fois manqué de pleurer, notamment avec le personnage de Bud qui dit parfois des mots, voilà, sur la fin notamment. Il dit certaines choses qui m'ont beaucoup touchée. Je pense que c'est pas le livre qui aura le plus de profondeur au niveau de ses personnages secondaires, au niveau de ses descriptions aussi. Mais il n'y a rien à faire, il m'a beaucoup touchée, il m'a apporté des émotions, j'ai eu envie de lire très vite, donc c'est vraiment une très bonne lecture. Alors que d'habitude, quand je parle d'un livre qui manque de profondeur, en général, c'est plutôt des déceptions, quoi. Et là, franchement, j'ai passé un très bon moment malgré tout ça. Et alors, je me suis lancée hier dans la lecture et je suis déjà à la moitié de Asphodel de Louise Lebar et Floquera. C'est un livre qui est illustré. Je vais vous montrer après quelques illustrations. Donc, c'est un livre qui nous parle du personnage d'Asphodel. Donc, on va suivre ce personnage de siècle en siècle. Donc, on va suivre chaque chapitre à le nom d'une dame qu'il a rencontrée dans sa vie. Bon, la dernière sur laquelle je suis là, on peut pas parler de séduction. Hein. Je pense qu'on peut presque parler de viol, quoi. Parce que à un moment, elle est pas très consentante, quoi. Mais voilà.
Donc c'est le personnage assez monstrueux du personnage d'Asphodel. Pour le moment, je n'avais pas encore trouvé le côté monstrueux de personnage d'Asphodel, mais là, je commence un petit peu à le ressentir. Mais je vous avoue que peut-être qu'il est monstrueux, mais que moi, je suis tellement blasée des monstres que c'est peut-être ça. J'ai plutôt tellement l'habitude que pour moi, il n'est pas si monstrueux que ça. Et de temps en temps, en fait, en alternance, on a un personnage très étrange, par contre, pour le coup, assez glauque, qu'on découvre en caractère italique. Pour le moment, page 125, il y en a un peu plus de 200. Je trouve qu'il y a un côté quand même assez répétitif. Chaque fois, on retrouve une autre bonne femme qui va séduire. Alors, elles sont toutes différentes, ces bonnes femmes, mais on va quand même ressentir toujours cette attirance, toujours ce besoin de l'envoûter, tout ça, avec son charme, avec son pouvoir. Mais il y a un côté un petit peu répétitif. Déjà, je pense que si on trouvait une fois un homme, s'il pouvait séduire un homme, ça me plairait bien. Ça changerait un petit peu, ça, voilà. Mais voilà, je vais voir ce qu'a fait l'autrice de cette répétition. C'est sûrement important pour la suite. Donc, je vais voir un petit peu ce qui va se passer. Par contre, je ne vous ai pas encore dit, le style est absolument magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et du coup, je pense que le côté répétitif m'aurait beaucoup plus dérangé si le style avait été plus lisse. Alors qu'ici, vraiment, une très très belle richesse de vocabulaire et c'est très poétique. Vraiment, un travail d'écriture magnifique. Et ça, j'aime beaucoup. Au niveau des dessins, alors moi, je ne suis pas très douée en dessin, mais je peux quand même dire ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Je trouve que les dessins sont assez particuliers. Je trouve que parfois, ils correspondent pas trop. Alors, autant des fois, ils correspondent super bien. Autant parfois les... à chaque fois qu'on a... Ah, je peux pas, ça va vous spoiler en fait, je peux pas. Déjà, voilà, première page, on a du sang. Voilà, c'est assez sympa. Au début, on a beaucoup de dessins et après, on en a beaucoup moins. Donc, le premier personnage qu'on va rencontrer... ici, ce personnage-là... Voilà, je vais pas adorer ce dessin... Et on a des dessins parfois plus bruts comme ça, comme celui-ci, qui correspondent plus à l'ambiance. Mais je pense que c'est un peu volontaire de trancher comme ça. La naïveté de certains personnages se voit avec le choix des couleurs. Je suis pas extrêmement fan du trait, mais c'est à titre tout à fait personnel. J'aimais bien ce dessin-là. Je l'aime bien. Voilà. En fait, tout ce qui est dessin de nuit, je les aime beaucoup, comme celui-ci. Voilà, on va pas passer 3 heures non plus parce que c'est vraiment pas ma spécialité, donc voilà. Mais sinon, voilà, je vous ai dit un petit peu ce que je pensais et je vais terminer par l'ouverture du colis que j'ai reçu du prince au petit pois. J'ai fait une commande, alors c'est une assez petite commande que j'ai faite, because fin du mois. Et j'achète assez régulièrement hein, sur la boutique du prince au petit pois, ça fait plusieurs années maintenant. Je pense que j'ai presque toute sa collection. Mais je suis extrêmement fan et j'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup plus. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oh, j'adore. J'adore. Donc, je vais ouvrir ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir reçu plus que ce que j'ai commandé. C'est très joli déjà, ne fût-ce que la présentation. Enfin, c'est canon, quoi. Enfin, j'en suis ultra fan. J'ai des hérissons sur ma commande. C'est mon animal préféré. Enfin, je veux dire... Alors, il y a des cartes qui sont pour offrir, mais je vous avoue que je pense que les personnes à qui j'offre ne regardent pas ma vidéo. Voilà, donc... en tout cas, ne regardent pas jusqu'au bout. Donc, voilà. J'ai reçu le Choco, qui est un de mes thés préférés. C'est un des thés que j'aime bien mettre dans vos commandes aussi, donc... merci pour... voilà, le petit mot hyper gentil. Merci, c'est trop chouette. Alors, j'ai pris les favoris de Noël. Les favoris de Noël, qui est une très jolie carte qui montre vraiment les favoris de Noël. On a un petit blaireau qui lit à sa fenêtre. Très joli. Très très joli. Je pourrais vous le montrer plus longtemps. Celui-là, c'est un d'automne que j'avais jamais acheté en fait. Et là, j'ai craqué. C'est vraiment magnifique. Je pourrais vous montrer plus en détail, mais je vous avoue que ces vidéos dureraient encore 10 ans. Mais je les mets souvent dans mes photos Instagram, hein, donc vous pourrez les voir. Voilà. La maison de pain d'épices. Je vous avoue que je ne sais pas si j'ai commandé tout ça, honnêtement. Emma est hyper généreuse dans ses colis. Ça fait hyper plaisir. Et donc, oh, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Par exemple, celui-là, il me semble... Si, je l'avais commandé, mais parfois j'ai des doutes quand même. Hein. Celui-là, je pense pas l'avoir commandé, honnêtement. Et je ne me souviens même pas de l'avoir déjà vu. C'est très mignon, j'adore, avec leur petite barbe verte. Je les adore, ils sont trop chouettes.
Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Non, non, ça, j'ai pas commandé. Oh, c'est canon. Oh, c'est vraiment canon. Oh là là, c'est sublime. Le petit village, j'adore. Je suis trop fan. J'adore. Je suis super fan. Et une petite lettre, ça j'ai pas commandé, mais c'est trop mignon. Il y en a que j'ai pas commandé parce que j'ai dû faire des choix forcément, hein. Fin du mois, je pouvais pas tout prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai reçu des cartes en plus, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. En fait, je les trouve tellement toutes belles que je sais plus lesquelles j'ai commandées ou pas parce que j'ai dû beaucoup hésiter quand j'ai fait mon panier. Et pareil, ben, les bloc-notes, j'en avais pris un, j'en ai reçu un deuxième, c'est vraiment trop trop chouette. Merci beaucoup, merci. Voilà, voilà, je vais les mettre. Moi, ces bloc-notes, je les adore, je les utilise tous les jours. Souvent, je fais mes petites prépas de cours. Alors, si un jour, on me demande mes préparations de cours, franchement, on me demande, je vais leur donner tout le prince au petit pois. Sponsorisé par le prince au petit pois. Je mets à chaque fois mes prépas de cours. Les marque-pages aussi, j'en avais pris quelques-uns, mais il me semblait pas que j'en avais pris autant. Il me semble pas. Le vrai chocolat chaud de Monsieur Blaireau. Qui est tout à fait vegan. Mais genre, on n'en a jamais trop. C'est tellement mignon. Le jus de pomme chaud d'Arthur Pralin. C'est si fan. Oh, j'adore. Voilà. Ça fait des années que je suis fan et je n'arrêterai jamais. Le pain d'épices d'Elgar. Qui est, ma foi... C'est incroyable, il est vegan. J'avais jamais fait attention que son pain d'épices était vegan. Je vais une fois essayer ça. Alors, on n'a pas la recette, mais bon, on se doute bien de comment faire le pain d'épices. Avec tous ces ingrédients, c'est vraiment génial. Et alors, j'avais commandé, c'est vrai. Les enveloppes aussi sont magnifiques. Et j'avais commandé, c'est vrai, des petits stickers et tout ça de bullet journal. Oh mon dieu! En fait, j'avais commandé un truc qui s'appelle bullet journal et je savais pas du tout ce que c'était. Mais en fait, c'est un bullet. J'avais pas compris. Je pensais que c'était juste des stickers, mais on a un bullet journal de Noël, quoi. Je vais jamais pouvoir l'utiliser. Il est tellement magnifique. C'est tellement mignon. C'est magnifique. Parce que moi, j'ai commandé le journal, l'agenda, le cozy planner. Je l'ai commandé. Je l'adore. On a déjà Tartan pour commencer. C'est génial. On a, je dirais, une vingtaine de pages. Et donc, c'est mon bullet journal de Noël. Moi, je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser, je vais l'exposer. Dans ma dernière commande, elle m'avait mis plein de petits machins comme ça. Que je trouve trop chou. C'est les to-do list, là. Bondi, tu te fais focus, là. Oui. C'est des to-do list et il y en a plein. Et c'est vraiment trop mignon. Et je les utilise déjà, en fait, dans mon journal. Et du coup, ici, on a en plus des petits stickers avec des petits chocolats chauds. On a ensuite, bah c'est pour le sticker, c'est des stickers de Noël, hein. On a des petits pulls. Ma chère Céline, je pense que tu vas passer commande après cette vidéo, parce que je pense pas que tu savais qu'il y avait ça, sinon t'aurais déjà passé commande. Et ici, voilà voilà les petites maisons, j'en suis ultra fan, je suis amoureuse de cette commande. Merci Emma pour ta générosité, pour ton travail extraordinaire. Je suis toujours si fan. Ma maison est toujours décorée au prince, au petit pois. Les gens sont ultra fans. Et surtout moi, c'est moi qui les vois tous les jours. Donc voilà, je vais doucement clôturer le vlog, là même sûrement. Du coup, il n'y a pas eu vraiment de sujet de débat cette fois-ci, si ce n'est que, comme on a parlé de miel, je voulais vous demander s'il y en a parmi vous qui sont véganes, voilà, ou qui veulent le devenir, ou qui sont végétariens. Ça m'intéresse un peu de savoir. Je sais qu'il y en a, hein, mais parfois, il y en a qui se cachent et qui ne disent rien. Et donc, ça m'intéresserait de savoir si, ben voilà, s'il y a des véganes parmi vous... dénoncez-vous. Voilà, ça me ferait plaisir, et même végétarien ou qui s'intéresse à le devenir. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !